ne sont jamais les mêmes. Pour exprimer ce qu'est le blues, j'y mets mes joies, j'y mets mes peines, et tout ça, ça devient le blues. Je le chante autant que je l'aime, et je le chanterai toujours. La musique vivra tant que vivra le blues. Ah, j'ai eu une coiffeuse et une maquilleuse et ça l'est pas, donc je le fais tout seul. Le reflet qu'il cherche dans le miroir n'est pas le sien. Toute sa vie, Richie l'a calqué sur celle de Johnny. J'étais tout gamin. Je devais avoir 10-11 ans quand je suis devenu fou de Johnny, quoi. C'est devenu mon idole de suite. Et j'ai tout fait, je faisais tout pour l'imiter quand j'étais petit. Et après, la nature a fait le reste, petit à petit, et puis tout le monde me disait, mais tu ressembles à Johnny. Je pense à lui du matin au soir, et du soir au matin. C'est con à dire, mais Johnny ne me quitte jamais. Voilà. Depuis 26 ans, son métier, c'est de faire Johnny. Et là, je suis exactement comme un flic qui met son uniforme pour aller bosser, quoi. On est parti. Deux fois plus de concerts depuis la mort de Johnny. Ce soir-là, le sosie fait le show à Roissy. Allez, porte du pénitencier. Bientôt vont se refermer. Quand tes cheveux s'étalent comme un soleil d'été, et que ton oreiller ressemble au champ de blé. En cette veille d'anniversaire de la mort du rocker, que je t'aime, comme une déclaration d'amour à Johnny. Je t'aime. 300 personnes venues applaudir Richie, des fans qui cherche l'âme de Johnny. Ça va, mon pote? Ah ouais, franchement, hein, t'es un sourire. Sachez une chose, ça me touche beaucoup de vous voir comme ça. Non, c'est vrai. Ça me touche énormément. Ça fait 26 ans que je fais Johnny. Ouais. Et un public comme ce soir, c'est pas souvent. Il a une voix très rapprochante de celle de Johnny. Et puis, il remet en scène un peu les différentes chansons, c'était très bien. Johnny, c'est le patron, quoi. Enfin, ça fait du bien de revoir les gens qu'il aime, et puis il survivra, quoi. Ça fait plaisir d'avoir des fidèles. Tout ça, c'est grâce à Johnny, hein. C'est quand même lui qui allume le feu depuis 60 ans, presque 60 ans. Et vous voyez, j'ai même du mal à en parler au passé. Pour moi, il est toujours là. La folie, c'est pour lui. Oui, très bien. Ouais. Je vais au bar. À plusieurs dizaines de kilomètres, perdu dans le brouillard normand, une petite maison arbore fièrement en étendard le visage du taulier. Salut les chiens. Salut les filles. Salut ma vie, ça va mon amour? Ouais. Ça a été ta journée? Bah oui.
Ouais. Un Pécom. Ouais. Bruno et Nathalie sont liés par leur idole. Ils lui doivent même leur rencontre sur un forum de passionnés. Nickel, ça a été. Cet après-midi-là, pour la première fois, ils regardent ensemble son dernier clip. Pardonne-moi si les silences au fond de moi m'ont rendu sourd. Si les grands soirs ne valent plus rien, quand vient le jour. Si je t'aime. C'est très dur parce que on le voit. On le voit, il est le reflet dans la vitre avec Laetitia, met sa main. Moi, je trouve que c'est... C'est une belle preuve d'amour qu'elle lui montre, là. Elle l'a vraiment aimé. Donc, je crois que je... C'est moi. Eux aussi l'ont vraiment aimé. Une passion déraisonnable qui a transformé leur maison en musée à la gloire du chanteur. Une bouteille que Johnny nous a remis en main propre. Il a bu dedans, on a bu une gorgée, Bruno et moi, et après on l'a refermée. C'est très précieux, très précieux. Ça va pas un peu trop loin quand même ? Non, non. Jamais, enfin rien va trop loin pour Johnny, rien. Ça a toujours été mon Dieu, c'est un membre de ma famille. Voilà notre Johnny. Alors c'est quand Johnny est parti, voilà, on l'a mis, il fallait qu'on l'ait grandeur nature et qu'on ait notre Johnny avec nous. Je lui parle tous les jours. Quand je le dépoussière, à mon pépère, eh oui. C'est des souvenirs. C'est la partie la plus émotive, on va dire. Donc là, c'est quand on a appris le décès de Johnny. On est allé à Marne-la-Coquette le matin même. Voilà. Donc, des images donc, de Marne-la-Coquette. Là, tout. Après, là, c'est à partir de la Madeleine. Johnny, je m'imaginais pas vivre sans lui. Je m'imaginais pas sans sa voix. Sans sa voix rauque, sa voix qui vient du plus profond de lui. Je m'imaginais pas. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Cette volonté de prolonger la nuit, ce désir fou de vivre une autre vie, ce rêve en nous avec cette La voix de Johnny n'est pas tout à fait éteinte. Quelque chose de Tennessee. Les yeux fermés, on a tous difficile de ne pas entendre Johnny en écoutant Jean-Baptiste Guégan. Cette volonté de prolonger la nuit. Chanter comme lui, le désir fou de vivre une autre vie. Il le fait depuis ses 17 ans. Rêvons-nous avec ces mots à lui. C'est à force d'aller rencontrer à la rencontre des gens dans les karaokés, dans les machins. Donc c'est comme ça que on m'a dit bah, vous avez la même intonation que Johnny. Bah, j'ai dit oui, bah, c'est possible. Mais je le fais pas exprès, hein, c'est comme ça, voilà. On me donne un micro, c'est parti. C'est à la fois du mimétisme, mais c'est à la fois une rencontre vraiment de la façon de chanter de Johnny et lui. Voilà, 25% de mimétisme et 75% de ton. Voilà comment je pourrais répondre à ça. Parce que même si moi j'essayais
de faire, d'avoir ce mimétisme. Même en travaillant en mimétisme, j'aurais pas cette voix. Donc il faut une nature vocale quand même. Quand je parle normalement, c'est moi. Quand je chante, j'ai la capacité d'avoir de Johnny Hallyday, voilà, tout simplement. Mais que en chantant, pas en parlant. Le but, c'est que j'essaye de mettre, avec du bout des lèvres, en fait, tu vois. Mm-hmm. Je chante du bout des lèvres. Oui. Et quand il faut envoyer, je me sers que de ça. Ouais. Tu vois. D'accord, donc tu... Et ça sort... Donc tu le ressens. Ouais, complètement. Je viens te voir. Tranquille. Je viens te voir. Je viens te voir. À la mort de Johnny, la notoriété du sosie vocal explose. Début novembre, son passage dans une émission de divertissement le fait connaître de toute la France. Jean-Baptiste parvient même à séduire Michel Mallory. Ami de toujours de Johnny, le parolier a composé plus de 180 chansons pour l'idole. Quand il a entendu Jean-Baptiste chanter, le temps a presque semblé s'arrêter. Deux ou trois fois, c'est arrivé, on s'est regardé et il m'a dit quelque chose de très touchant. Il m'a dit « J'espère que je t'ai pas fait du mal. Ouais. » Oui, parce que c'était tellement... Il y avait aussi l'intention, quoi. Et tout d'un coup, je me suis demandé si le grand n'était pas de retour, quoi. J'ai l'impression qu'il est au-dessus et qu'il veille bien à ce que tout se passe bien. Et vocalement, pareil. Donc voilà, et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se passe. Michel Mallory ne l'aurait jamais imaginé. Il propose à Jean-Baptiste d'interpréter des textes écrits à l'origine pour Johnny. On va écouter un truc qui a déjà été enregistré et dont on est assez fiers, tous les deux. Cette maquette, personne ne l'a encore écoutée. T'aimerai jusqu'au jour où finira ma vie. À la fin du parcours, à l'aube de ma nuit. Cet album, c'est un devoir de mémoire. Voilà, il y a des chansons qu'il devait chanter, qu'il avait choisies. Mais la vie en a décidé autrement. Alors ces chansons auraient très bien pu mourir avec lui. Et je pensais qu'elles étaient mortes avec lui. Et Jean-Baptiste est arrivé. L'album doit sortir dans un an. Une dizaine de titres, un dernier hommage. Mais aussi pour le duo, un succès commercial quasi assuré. J'ai 2000 chansons à la SACEM. J'ai pas de soucis de fin de mois. Si c'est la gloire, je m'assois dessus. Voilà. Et après cet album, je plie les gaules, comme on dit. Je rentre chez moi. Et si jamais on vient vraiment m'emmerder vraiment là-dessus, je pense que je l'ai déjà dit, je donnerai mes droits d'auteur à une association contre le cancer. Voilà, comme ça on viendra pas me faire chier pour le pognon. Voilà. Je m'en irai le cœur heureux, puisque j'aurai ton ciel dans le fond de mes yeux. Je t'aimerai jusqu'au jour où finira ma vie. Johnny repose à plus de 6000 km de la métropole, à Saint-Barth, dans les Caraïbes. Malgré la distance, des fans sont prêts à traverser l'Atlantique pour lui rendre un dernier hommage. Richie a fait le voyage quelques jours avant l'anniversaire de sa mort. Je suis venu pour me recueillir. Pour méditer un petit instant devant la dernière résidence de mon idole, de Johnny Hallyday. Là, évidemment, l'émotion est à son comble, bien sûr, parce que
Parce que je m'approche de lui doucement, voilà, petit à petit. Vous savez, je n'ai pas pleuré pour la mort de mon père, j'ai pleuré pendant 3 jours pour la mort de Johnny. Hein. Donc, voilà, tout est dit. Avec ma carte. Qu'est-ce qu'il y a écrit dessus ? Ce qu'il y a écrit dessus. À toi, Johnny, mon idole éternelle, à tout jamais, dans mon cœur. Je t'aime. Richie. Du coup, c'était dur ? Écrire ça ? Ouais. C'est plus dur maintenant. Je vais mettre plus comme ça. Super. Voilà. Et continuez à le faire, vous dites. Hein. Ben, on essaye, ouais. Qu'est-ce que ça vous fait, du coup, madame, d'être ici, de voir... Ben, c'est terrible, j'ai jamais été aussi près de lui. Salut l'idole. À bientôt. Le corps de Johnny, loin de la métropole. Certains fans ont trouvé dans ce village de l'Ardèche un lieu de repli. Prends-en deux. Ça va ? Tu m'embrasses ? J'ai très bien. Allez, viens, on y va. Pierre et Fabienne viennent régulièrement se recueillir ici, sur la tombe de la mère de Johnny. Ah, ben, tu vois, il est encore pas mal fleuri. Hein. Ouais, c'est vrai. Eh bien. Hein. Allez, pour Johnny. C'est pour sa maman. Voilà. Il y a une belle rose aussi. Ben, c'est l'âme de Johnny. Il fallait trouver un endroit, puisque les millions ou les 2 millions de fans ne savaient plus où aller. Moi, je me suis dit, à Ramatuelle ou n'importe où, il n'y a rien. Là, peut-être qu'eux, ils vont s'accrocher. Après tout, c'est la mer. Et s'ils veulent retrouver l'âme ou le corps de Johnny, ben, dans cette tombe, il y a celle qui l'a enfanté. Pendant 17 ans, sa mère a vécu à Viviers. Une époque où les habitants pouvaient croiser Johnny dans les rues. On a l'impression de remplir un grand devoir au nom des vrais fans. Hein. Au nom des vrais fans. On a l'impression de dire, ben, au moins, ceux qui vont venir là, ils viennent, il y a un sens, ils ne sont pas perdus. Il aurait dû être là. Oh, il aurait dû, c'est pas moi. Mais si jamais un jour il se trouve seul là-bas, j'espère que non. Il aurait pu être là. Des polémiques jusqu'au choix de sa dernière demeure. Depuis la mort de Johnny, son héritage cristallise toutes les tensions. Il divise sa famille, mais également ses fans. Eux, ce sont les Desperados. Le club de motards créé par Johnny.
Joe Rodriguez, le chef du groupe, a été le garde du corps et le confident du chanteur pendant 5 ans. Un desperados roulant Harley Davidson et écoute du Johnny. L'esprit tout le temps là, puis le rock'n'roll et puis Johnny quoi. Johnny, quand on roule avec une Harley ou une Indian, on pense à Johnny quoi. Sur leur blouson de cuir, l'emblème sacré des desperados. Les couleurs desperados, c'est Johnny qui a le nom desperados, les couleurs, la tête, fait Johnny, tout ça fait Johnny. Et on ne peut pas rentrer dans le club d'Esperado si on n'est pas fan de Johnny. Il faut être uni, quoi. Desperados à la vie, à la mort, et leur symbole n'a pas de prix. En octobre dernier, l'ex-femme de Johnny, Adeline Blondio, met en vente aux enchères une partie des affaires du rocker. Parmi les objets, le blouson d'Esperados d'Adeline Blondio. Une entorse impardonnable au code d'honneur des motards. Interdiction de vendre son cuir. Les desperados interviennent. Ils vont jusqu'à intimider les possibles acheteurs pour stopper la vente. Tu vas te prendre une volée, puis on va te prendre ton gilet. Et que t'as pas le droit de le porter. T'as pas le droit, c'est interdit. Bon. Ah oui. Je me suis marié en 93. Adine était témoin de mon mariage. Et Johnny était le témoin pour ma femme. Et voilà, donc on a vécu une histoire de backer, de machin, donc maintenant les couleurs, bah, elle fait plus de moto, elle fait plus rien, elle nous rend les couleurs, quoi. Puis il décide de vendre le gilet. Nous, on est capable de faire venir 34 backers qui est à côté, là. Les motards obtiennent gain de cause. Vous inquiétez pas, le lot est retiré. Ok, merci, c'est gentil. Merci. Bon, bah, il a enlevé le gilet de la vente. Le lot est parti, le lot n'est plus à vendre. Vous avez réussi votre... Voilà, c'est tout. Voilà, donc on est content de nous, quoi. Johnny, il a tout le temps été entouré de gens qui ont profité de Johnny. Et en vérité, Johnny, il n'a jamais eu d'amis. Tous les gens qui étaient à côté, on prend des... Aujourd'hui, je vois plein de mecs que moi-même, avec Johnny, je n'ai jamais connu. Tout en étant chez Johnny. Alors aujourd'hui, on dit, oui, je suis l'ami de Johnny, il n'a rien du tout. De fond vivant, Johnny, on en a profité. Tout le monde en a profité. De sa mort, on en profite encore. Les desperados, unis pour défendre leur légende. Il est immortel. Il est... Bien sûr. Et maintenant, on voit beaucoup de personnes qui essayent de faire renaître Johnny quelque part. Impossible pour eux de laisser mourir leur Johnny. Ce soir-là, 3000 personnes sont venues écouter la voix de Johnny. On n'a pas besoin de le voir, hein. On l'entend, on croit que c'est Johnny. Ça donne des frissons partout. Il a la voix pour faire ça. Et c'est cool, c'est rock'n'roll, ça fait du bien. Ready for your
un an après sa disparition, la légende du rock'n'roll français semble immortelle. L'idole des jeunes, à jamais célébrée.